peu bien justement le diamètre du tiroir à la baisse. Salut les amis, c'est Polo. Je crois que j'ai vu une Xbox. Donc on va aller voir si on peut aller la récupérer. Mais je crois que c'est une Xbox première du nom, une blanche. Je suis à la déchette en fait. J'ai coupé ma pelouse et tout, et donc je me dis bah tiens, je vais aller à la déchette. Et bah là j'ai vu une Xbox, mais elle doit être pétée hein. Mais je me dis quitte Nantes n'a rien, n'a rien. Merde, il n'y a pas le disque dur. Elle est défoncée, mais il n'y a pas de disque dur. Bon, je vais être très clair avec toi, je pense qu'elle ne fonctionne pas. Déjà parce qu'ils ont pris le disque dur. Et on sait très bien que frérot, quand tu laisses pas le disque dur, c'est que... Ouais, et tu prends large, mon loulou. Hein. Faut se serrer un peu, hein, mon loulou. Il a cru que la route, c'était qu'à lui. Donc bref. On va aller la test. Je pense que je dois avoir un disque dur externe qui doit traîner quelque part dans le pôle Xbox de ma gaming room. Mais tiens, ce sera pas une PlayStation 4 ici? Petite PlayStation 4. On va la prendre. Une PlayStation 4 quoi. Bon après je sais pas si ça fonctionne mais bon. On a quoi? Un play, un lecteur Blu-ray. On a de la merdouille, putain, une PS4 frérot. Une Xbox, la dernière fois que j'y vais, là, une PS4. Je récupère une PlayStation 4 frérot. C'est là qu'elle fonctionne. Non mais franchement, t'imagines si elle fonctionne frérot? C'est une slim. J'en ai pas des slim, moi j'ai la grosse frérot. Elle a une PS4 mec. Il trouve une PS4 en déchetterie. Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve les amis pour un petit crash test très très rapide où comme vous l'avez vu on a pu aller en déchetterie pour virer un petit peu de merdouille. À chaque fois je vais entrer en déchetterie parce que je vire des meubles et à chaque fois je vais en déchetterie. Je passe toujours un petit coup d'œil dans la partie un peu où il y a les télés, etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, on a trouvé des choses assez sympathiques. Enfin, c'est sur deux jours différents, mais tu m'as compris, frérot. On a trouvé une première Xbox 360, déjà, classique, où il n'y a même pas le disque dur externe. Enfin, le disque dur. Voilà, hein, je sais pas, peut-être qu'il y a le iode. C'est-à-dire les trois LED rouges et malheureusement s'il y a les trois LED rouges et bah c'est foutu frérot, il y en a plus, ça existe plus, poubelle, brim. On la pétera ensemble, t'inquiète frérot. Ou pas. Donc on va l'essayer, mais surtout, bah vous l'avez vu, hein, on a aussi dégoté une petite PS4 Slim. Petite PS4 Slim qu'on a découvert dans le bac de déchetterie. Elle a l'air d'être un peu craouette. Je l'ai lavé quand même entre temps parce que bon voilà, il faut la laver un petit peu quand même. La seule chose qui ici est pas trop bien, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. Et derrière, on dirait qu'elle a été forcée. Je sais pas si ça va vraiment se voir. Hop. Donc on dirait qu'elle a été forcée, qu'elle a déjà été ouverte ou quoi que ce soit. Tiens, rétro jeu aussi. Bon, la Xbox, on s'en fout. Mais si la PS4, elle fonctionne pas, je ferai appel à toi, hein, bien sûr. J'espère qu'elle fonctionne. Sinon, bah, ça sera... Allô, rétro jeu, je te passe la PS4, tu me la répares, je te donne 50 balles. Déconne pas, je te donne pas 50 balles, frérot. Mais voilà, on verra. De toute façon, j'espère vraiment qu'elle va fonctionner. Moi, j'ai la vieille PS4. Alors, vous la voyez pas, mais j'ai la vieille PS4, la toute première. Donc, bref. On fait un rangement, on met la télé, on fait les branchements et on arrive tout de suite ensemble maintenant. Est-ce que c'est le bordel? Pas du tout, frérot. C'est pas le bordel chez moi. Hop là. Donc voilà, petite télé classique. Hop là. On va sortir les câbles, manettes et tout. J'espère que c'est les bons câbles que j'ai pris. Alors déjà, on va lui mettre un disque dur dans la gueule. Petit disque dur. C'est pas marqué combien de gigas il fait le disque dur. Je sais pas, je ne vois pas. Bon, un petit disque dur. Voilà, voilà.
On a une mouche qui me casse l'épurne depuis tout à l'heure là. Je vais lui moucher sa tête, moi, tu vas voir. Hop, des petits câbles, en veux-tu, en voilà. J'allais dire, on va allumer la télé, je sais même pas comment ça s'allume. J'ai pas allumé la télé. Enfin, en fait, il faut la brancher, Polo. Télé allumée. Console allumée. Enfin, pas allumée, mais tu m'as compris. Le feu, Johnny. Oh, à l'idée. On fait quoi? On l'allume, frérot? Ça s'allume pas. Ça s'allume pas. Ça s'allume pas. On va dire que c'est un peu ballot tout ça. Elle ne s'allume pas. Le tiroir non plus. Alors, le problème c'est que tout a l'air de bien être mis, donc c'est bizarre. Et ben, elle ne s'allume pas. Ah la merde. Bon bah écoutez les gars. Mauvaise nouvelle pour cette Xbox, il ne fonctionne pas. Bien sûr, je verrai plus tard hein, pour checker tout. Checker. Pour rechecker tout, pour voir un petit peu c'est quoi qui pourrait merder. Mais l'objectif là, c'est vraiment juste d'essayer pour voir si ça fonctionne, tu vois. J'ai une petite question, Polo. As-tu récupéré. Oui. Non. En plus, j'essaye la mienne le coup. il me faut les fils. Pour la PS4, là, mon Polo. On va essayer. Sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou d'un anneau de nez. Je vais découvrir ton visage pour l'amour aîné. On va s'aimer. Sur un bateau, sur le nom d'un oiseau. On va s'aimer à se brûler la peau. Il y a 3 HDMI ici. C'est ouf. Ah, et des fois j'ai des télés, frérot, je sais pas ce que c'est. Normalement ici je mets la Switch dessus. On est sur bah, tout simplement l'HDMI 1. Allez, on l'allume. Oh! Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Oh! 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 Wow! Rétro-jeu, tu peux m'aider? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur. Aide-moi, s'il vous plaît. Bon, analysons ce qui s'est passé. J'ai voulu l'allumer, ça fait cling. Oh! Surchauffe? Je pense. En fait, je connais que ça. Comme diagnostic. Rétro-jeu, je vais te taguer. Tu vas me dire, et pas ta gueule, parce que je t'aime bien quand même. Tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Là, franchement, frérot, je n'y retouche plus. À s'allumer, à la vie. Et voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, je vais pas la rallumer, frérot. C'est mort. Mort. Il faut savoir que je l'ai laissé toute seule. Enfin, je l'ai eu toute seule. Donc, putain, mais la mouche. Oh, je mets des pièges à la mouche. C'est pour que t'ailles dessus. Donc, les câbles, les manettes, etc., etc., c'est à Bibi. Donc, normalement, ça fonctionne. Je pense que ça vient de la PS4 et que malheureusement je crois que la PS4 elle est peut-être grillée. Ça tombe bien, j'ai faim. Je vais faire un barbecue moi. Donc je sais pas du tout là ce qui s'est passé. Je pense que surchauffe hein. Alors j'ai vu ça fait tellement longtemps, mais il y a des tutos. Il y a des tutos que pour réparer. Moi je sais que sur ma. Sur ma PS4 première du nom, ça avait un petit peu merdé et tout, et j'avais pas fait de tuto, parce que j'avais laissé reposer, frérot, tu vois. Mais sur les Slim, je sais pas du tout, mais je pense qu'il doit y avoir des tutos pour peut-être remplacer quelque chose à l'intérieur, j'en sais rien, j'en sais rien. Donc, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, le bruit, je sais pas s'ils l'ont vraiment entendu, mais ça fait... voilà. Donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre, j'ai tout de suite débranché parce que j'avais peur. Et puis j'ai pas envie que ça craigne, frérot, je veux pas te mentir. Donc voilà, je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, dites-le moi dans les commentaires, en tout cas bah, c'est un fail, la Xbox ne veut pas fonctionner, et la PS4 a... voilà.
Mais bon, hey, ça reste de la déchetterie, frérot. On a eu une chance incroyable sur la dernière fois où j'avais été en déchetterie et puis que j'avais récupéré une PS1 en boîte avec des jeux. Les gars, c'était un truc de fou. La PS1 fonctionne, elle est en boîte. Enfin, truc de fou. On gagne pas à tous les coups, frérot. Mais là, en tout cas, je suis content. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être il faut remplacer la pâte thermique, le processeur, le je sais pas quoi. J'y connais rien. Donc, dans les commentaires, vous me dites un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et puis derrière, vous me dites s'il y a Rétrojeux ou d'autres personnes qui sont peut-être de Normandie et qui savent réparer les PS4. Bah, tu m'envoies un message sur Facebook, sur Instagram, etc. Et puis on essaie de voir ça ensemble. Rétrojeux, pareil, si t'es ok, tu me mets un message et puis on verra. J'essaierai de te choper sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur je sais pas où. Chez toi, te choper. Mmh. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va pas continuer, n'arrive pas à continuer, j'ai peur. Bisous, et puis n'oubliez pas, protégez-vous, ne faites pas l'amour. Ciao, Pépito. Purée, j'ai flippé.